Non, pas du tout. Je dirais Baptiste. Ok. Non, mais classique et tout. Je me suis pas tentée à quelque chose de trop compliqué. Moi j'aurais dit Clémence. C'est pas du tout ça. Je suis loin ou pas loin du prénom? Bah c'est classique comme prénom. Ah, Julien. Non. Oh, putain, j'ai pensé à ça en plus en premier. Valentin. Oui. Oh putain. Okay. Incroyable. Oh là là. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Claire. Non. Mais c'est aussi très répandu. Classique. Ouais, très classique. Marie. Non. Ok, Julie. Oui. Oh. Okay, en fait, ça veut vraiment dire qu'on a des noms ultra marrants. Ouais, c'est je sais pas, châtain clair, cheveux mi-longs, pas très grande, je sais pas, 1m60. Je dirais pas très grand, je dirais genre 1m70. J'imagine blond aux yeux bouclés. Blond. Ouais, blond les. Blond les cheveux bouclés. Les yeux noisettes, je sais pas pourquoi des lunettes. Je dirais style BCBG peut-être. Ou alors, totalement l'inverse, très atypique, je sais pas. C'est flou. Je dirais pas attractive dans son sensuel, mais elle est intéressante, elle intrigue. Écoute, moi aussi je trouve que quand tu me dis que t'es très positive, bah ça s'entend. Et ça, c'est, je trouve ça trop cool. Non mais c'est vrai, t'es, genre t'as la joie de vivre et tout, et ça s'entend. Du coup, attractive, je sais pas, c'est vrai que j'ai du mal à... À définir. Exactement. Je dirais que tu as 25 ans, on va dire dans la littérature. Toi, tu me définis par mon âge et mon goût. Ouais. C'est quand même un peu triste. Mais juste avec juste une présentation, comment tu veux que je sache qui t'es? Écoute, tu me dis atypique, mm-hmm. Je pense que t'es tatouée, peut-être percée aussi. Ok. Je pense que t'aimes bien voyager, type backpackers un peu, tu vois, genre Asie du Sud-Est ou Amérique Latine, quelque chose comme ça. Je pense que t'as les 23 ans et que tu cherches encore ta voix. Mais tu es médium. Putain, c'est ouf cette question. Moi je suis ok. Bah allez. Donc tu n'as pas les cheveux mi-longs? Non, pas du tout. C'est pas évident. Mon dieu. Ah mais il y a de l'alcool partout sur la table, alors je tiens à le. Est-ce qu'on reprendrait pas un shot pour se désinfecter? Attends, je sais. Allez. Non, on enlève le masque maintenant. Ok, alors 1, oh, attends. 2 et 3. Oh la lumière. Ah, tenez, c'est les affaires, les masques. Ouais, ouais. Ça se voit. C'est un talent particulier. Oui, bah, tu l'as pas. Et du coup, tu fais quoi dans la vie? Je travaille en magasin bio. Ok. Après, c'est pas le métier de mes rêves, on va dire. En fait, ça me plaît parce que je suis dans le bio et dans l'écologie et dans tout ça, ça. T'es végé ou... Végétarienne. Ouais. Ouais, mais je me vois pas en fait continuer dans le commerce. Le commerce, c'est pas trop mon truc. Ok. Et toi? Bah écoute, je suis pas du tout dans la littérature. Je savais pas quoi sortir. Ouais. Bah là, je sors du boulot, je suis en finance, moi. Et je suis pas végé, mais je tends vers du flexitarien. Ah ouais. Bien. Ça veut dire que t'es ouvert quand même. Oui, non, mais okay. Je trouve ça important. En fait, ce qui c'est que moi, ça me dérange pas les gens qui mangent de la viande tant que moi, tu vas pas me saouler. Parce que je connais beaucoup de personnes qui vont me lancer des vannes tout le temps à répétition, alors que moi, je suis pas là, genre en mode ah, tu manges de la viande. Ouais. Tu vois, genre tant que tout le monde est ouvert et s'accepte, genre ok. Offre 2 shots. Ah oh, putain. Mais ça bon, veut dire. Tu j'en prends avec toi. Ok, merci. Parce que sinon. Peux-tu nous dire 3 choses positives sur la personne en face de toi? Alors, intéressant, joyeux et souriant. Écoute, bah pareil, je trouve que t'as, comme je te disais tout à l'heure, la joie de vivre et ça se sent, c'est trop okay. Cool. Non mais bah, tu vois, t'es là, tu rigoles, t'as le sourire et tout, c'est trop bien. Vu tes tatouages et la manière dont t'es vie, je pense que tu t'assumes à fond et je trouve ça top. Enfin, oui. Tu vois, ta coiffure et tout, je veux dire, c'est... Oui, j'ose. Exactement, mais ça c'est trop bien et ça veut dire aussi plein de choses dans la vie en règle générale, j'imagine. Que tu vas pas ne pas faire des choses parce que t'oses pas ou parce que tu trouves que les gens peuvent te juger ou quoi que ce soit, donc, donc ça je trouve ça bien. Et bah, je pense que t'as l'air aventurière et tu vas venir ici, faire ce genre de choses, je trouve ça très cool. C'est quoi le tue-l'amour dans un couple? Un mec qui a un geek, genre vraiment, genre il passe son temps sur l'ordinateur ou sur la PS ou la Xbox ou je sais pas, ça c'est un tue-l'amour de ouf. Et un fan de foot, ça je déteste.
Bon, ouais, ça va, c'est je regarde pas le foot. Très bien. Je regarde un petit peu le rugby. En fait, en gros, je viens du sud de la France. Ok. Mes parents sont à Toulon, à côté de Toulon. Ok. Donc pour le top 14, je regarde, mais sinon, c'est donc tout. Donc ça va. Ouais, encore rugby, ça va. Ok. Alors moi, c'est beaucoup plus terre à terre. C'est genre pisser aux toilettes la porte ouverte. Oh non. Ah ouais, mais ça, pour moi, c'est vraiment. Mais tous les mecs, c'est la même chose. C'est un truc de ouf. Non, mais c'est un no-go, quoi. Encore faire pipi. Non, tu vois, c'est rien, mais pipi la... ou la grosse commission, peu importe. Non, mais c'est ok, tu fermes la porte, mais pipi, c'est rien. En plus, ça dépend de la maison, de l'appartement. Si vraiment, genre, t'as le salon et t'as les toilettes collées à côté, genre, t'entends tout. Bon, ok, c'est un peu gênant, tu vois. Ouais, mais à notre âge, on n'a pas des 200 mètres carrés. Avec, sur une échelle de 1 à 10, combien tu noterais ce date? Vas-y. Écoute, je mettrais 7 parce qu'on s'est bien marré, ouais. Je trouve très très cool. Mm-hmm. Mais c'est un peu particulier l'ambiance avec les caméras. Il y a un voyeur. Exactement. Donc voilà, mais sinon non, oui. c'était très cool. Pareil. Okay. Bah, c'est que c'est cool, bonne rencontre. Et mais oui, c'est vrai que c'est les lumières, tout ça, la caméra. Ouais, ça spécial. Ça l'amour. Oui, non mais d'un côté, non, pas l'amour. Le truc des questions et tout, ça anime un peu la... Ouais. Une autre sorte de rendez-vous, donc c'est pas mal. Non, mais c'est de l'eau, ça. Ah, non. Ok, je l'ai pas capté. Salut, Chine. Dites okay. Ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête, en regardant une caméra, et voilà. Abonnez-vous à Cru, c'est cool, on se marre bien, et c'est bon délire. C'est très proche de ce que je voulais dire. Bah ouais, mais fallait commencer. Tu peux dire un truc, mais c'est après. Il t'a eu quand même, là. C'est ouf. Ouais, mais en même temps, j'aurais pas dû dire ce que je voulais dire. Attends, faut que je prenne mon moment. Sérieux. Prends ton temps. T'as l'air très sérieuse, là. Abonnez-vous à Cru et surtout participez au tournage, c'est super intéressant, on passe un bon moment et voilà.